Dinor, CDF. Attention, lance grenade. Bien, salut à tous et à toutes, c'est Tino, c'est Dave, de retour pour une... Je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 6 de notre Let's Play sur Watch Dogs. J'espère que vous allez tous très bien dans Let's Play, si nous allons, avec notre caddie bleu, aller au supermarché. Salut. Non, je vais en fait, on va continuer la mission suivante. Alors ça, c'est notre nouveau local que nous avions vu dans l'épisode précédent. Notre superbe voiture. Oh, le bruit qu'elle fait, quoi. Oh là là. Et donc nous... Delia Park, 18 ans, de Kansas City, rendait visite à des amis à Chicago lorsqu'elle a disparu il y a... Oh non. Waouh, vous allez me traiter. Accepter que le bateau passe. Je suis pas méchant, vous savez. Voilà quoi. Donc, je vais faire une petite alerte dans la vidéo de Tomb Raider que je vais tourner tout à l'heure. Mais je pense décaler les jours de sortie des vidéos. Donc, pour Watch Dogs, ce sera toujours le dimanche. Pour Tomb Raider, ça sera sûrement un autre jour du fait qu'il y a un autre let's play, encore une fois, un troisième let's play qui va venir en parallèle de déjà des deux que vous avez de Tomb Raider et de Watch Dogs, qui va être le DLC de The Last of Us, tout simplement. Donc voilà, comme j'ai eu une rentrée d'argent, comme je vous avais dit, je vous ai acheté le DLC de The Last of Us, je l'ai installé. Et on est arrivé. Et donc je vous le ferai en let's play, tout simplement. J'ai trop hâte de le faire, en fait. Allez, c'est parti. Bidouillage. Acte 2, bidouillage. Je te vois plus sur ma grille, t'as disparu. Ah, Rossi Fremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens? Ils ont fait avec, ou ils sont partis. Je vais jeter un œil et essayer de voir ce qu'il manigance. J'ai rêvé ou j'ai vu un sniper? En bas à gauche de l'écran, il y avait un trait, genre un laser. Laser de sniper, notamment. Donc, à mon avis, il y a des snipers. No transpaxing. Transpaxing, c'est quoi ça? Transpaxing. Les deux Damien aboutit quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon, je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un œil à l'intérieur. Ouais, mais une caméra cachée, voyons. Normalement, si je passe devant, ils devraient pas me... ils s'en bat les couilles, en fait. Ça va, mon pote? Ah non, ils s'en bat pas les couilles. Allez. Direct sur son arme. Ça va, mon pote? Pote, ton pote, moi. T'as cru quoi, espèce de bolos? Bref, comment on passe au-dessus? Non, on peut pas passer au-dessus. Bon. On va faire le tour. Alors là, je sais vraiment pas ce que je fais. Ça se trouve, il y a du grillage tout le long et on peut pas du tout faire le tour. Ou ça se trouve... on va pouvoir les enculer. Oui, une entrée derrière, on peut pouvoir les enculer. Évidemment, les portes sont fermées.
là. Suivi de un gros vent. Parce qu'il y a des barrières barbelées tout le tour. Bon. Écoutez. Un truc qu'on n'a encore jamais fait. Et je m'en bats les couilles. Parce que j'en ai marre de. De pirater tout ce qui en suit. Je rentre en force, je m'en bats les. Moi je suis un ouf. Je m'en balle le pétard. Comment c'est c'est comme ça. Hop. Un petit barrage en plein milieu. On s'accroupit. Ouais ça. Ah oui c'est vrai, il y a le sniper. Petit bâtard. Donc là. What? Mon coffre, espèce d'enculé! Mais je vais te faire sauter ta cervelle, espèce de petit. Pouilleux. Non, mais il a fait sauter mon coffre, cet enculé, sérieux? Je t'en ai mis une deuxième. Oh, t'es mort. Il saura même pas d'où ça vient. Ah allez. Merci. Mais de rien. Madame, toujours un plaisir. Rentre dans le tas. Bah attendez, oui, je suis en train de m'occuper de votre truc idiot. Je peux pas tirer en même temps. Hein. Le mec il rentre comme ça, c'est la fête en mode. En mode, je m'en bats les couilles. What? Attends, t'es excité de la life ou quoi? Abruti. Du coup ce gros bâtard, c'est qui m'a dit ça? Oh putain, il nous avance, enculé. On le regarde. Ah, il a fait bataboum. Hop. On s'occupe de leur merde là. Ah, du coup, le câble devient bleu. C'est magnifique tout ça. S'occuper des derniers. Oula. Un petit enculé là. De petits enculés.
C'est quoi cette manière de tirer sur les amis? Voyons, je suis un ami d'un ami d'un ami d'un ami. Me tirez pas dessus, voyons les gars. J'ai juste piraté votre truc, ben le bidule chouette là. C'est tout. Voyons, pas besoin de s'énerver pour ça. Ah, les enfants alors. Écoutons. Ami, tu peux régler n'importe quel problème avec un gueule. Pour qu'il soit plus malin, le gars. Les types comme le justicier qui fait chier tout le monde en ce moment, c'est ça nos nouveaux ennemis. Un gueule, c'est une solution à un problème spécifique. On a besoin de buter un gars rapidement, par exemple. Mais si tu peux pas le voir, tu fais quoi si le type, il peut te niquer sans que tu l'aies jamais vu? C'est clair que ce serait bon si le justicier dégageait les gars du club. Mais moi, je peux rien contre moi. C'est marrant ce qu'il raconte parce qu'il a raison. Comment tu veux le buter si tu l'as jamais vu? LOL. Il y a un petit enculé là-bas avec son sniper, il est juste là. Oh, tu t'es mangé une balle, mon pote, mais laisse tomber, quoi. What? Il s'est excité, le mec. Ça fait flipper, hein. Putain, mais... Je il vient de se prendre une de ses balles, cet enculé, sol. Voilà, moi, je suis un bourrin, je m'en vais les couilles, tu vois. Je passe dans le tas, comme ça, je suis un ouf. Même si, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. Oh non, violent. Ta gueule, t'en arrives, tu vas me trouver vite. Tu veux savoir où je suis? Je suis dans ton cul. Ce petit bâtard a envie d'une raquette? Et les gens, ils deviennent comiques, vous avez vu? Ouais, fais lui péter la tête. Il dit voilà que c'est vrai. Fais lui péter la tête. Putain, on... Allez, on lâche rien. Balance une grenade sur sa gueule. Alors. Vas-y, viens, je t'attends. Cette petite salope est passée par le côté. À terre. Oh, le double kill. Le double kill feed. Aïe. Je vais même pas user de balles. Ils se sont alignés tous les deux comme des cons. Bande de bolos. Aïe aïe aïe. Hop. On va passer par ici. Et atteindre. Hop. On fait un petit truc machin bidule aussi, tu vois, je sais pas c'est quoi. Mais bon, c'est pas grave, on le fait quand même. Et là, bizarrement, on est recherché par la police. Maintenant on va se casser. Parce que... Ouais, je croyais que c'était un saut. Ok, moi je suis comme ça. C'est des effets spéciaux du cinéma les gars. Vous inquiétez pas, c'est normal. La voiture elle va pas exploser, mais bon c'est pas grave. C'est des effets spéciaux, oui, oui. C'est des fausses flammes. C'est moi qui les ai rajoutés au montage, vous voyez. Ah bien. Mais non, je me suis trompé de touche, j'ai appuyé au lieu d'appuyer sur carré, j'ai appuyé sur triangle. Oh non, je suis trop nul. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Oui, mais je me casse en fait. Salut. Borne. C'est bouffé les bandes, tant que... Bande d'abruti. Bande d'abruti.
a disparu. Allez, on se casse de leur cercle. Allez, on se tire. On le trouvera pas de toute façon. Et voilà. Alors. Alors, ça marche? Ouais. On est connecté. T'as accès à tout aussi Fremont, maintenant. Je voulais te remercier. T'as vraiment été génial. Ah, je résiste pas à l'appel de l'aventure. Le boulot est terminé, du coup? Non. Ça ne fait que commencer. Faut que j'entre là-dedans, que je trouve des réponses, et que je libère ma sœur. Et une fois que t'auras des réponses, tu feras quoi? Je retrouverai qui a fait ça. Et je m'assurerai qu'ils payent tous. Tous ceux qui sont impliqués dans la mort de Lena. T'es toujours là? Oui, parce que je vous le rappelle qu'on fait ça pour notre fille. Là. Bon, on se reparle bientôt. Vous avez peut-être remarqué, mais depuis quelques épisodes, je vous rappelle plus ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ou très rarement. Tout simplement parce que je prends en compte que vous avez normalement regardé l'épisode précédent, donc je vous rappelle pas ce qui s'est passé. Ça sert à rien parce que vous êtes au courant déjà. Donc, c'est toi le justicier. C'est grave ça comme accusation. Ouais, ouais, j'ai reconnu ta voix. Je me suis chié dessus la première fois que je l'ai entendu. Écoute. Merde. Bon, on va faire un truc. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ça va plus vite. Elle est morte comme une merde. J'entends mal ce qu'il me dit, ce con. Il parle pas assez fort. Parle plus fort, Bolos. Ça veut dire quelque chose, ça? 51 000 dollars. Trafic d'armes. Et je disais, qu'est-ce que... Ok, il fait quoi, là? En train de... Là, c'est moi qui compte. Chaque caisse mystérieuse contient des précieux matériaux. Ok, d'accord, j'étais au ralenti. Je sais pas pourquoi. Je sais pas où. Ouais. Pourquoi il y a ce genre de flou? Un mandat d'arrêt contre le justicier Aiden Pierce. Mais les habitants de la ville ne se cachent plus pour lui témoigner leur soutien. Par conséquent, les forces de police ont énormément de mal à obtenir des renseignements. Bon. Il y avait une espèce de flou autour de l'écran, j'ai pas compris ce que c'était, mais en tout cas c'est des... Chelou. Alors, oui, vous êtes sûrement au courant, je pense, parce que normalement le premier épisode il sort dimanche. Comment ça s'appelle? La saison 2... Fallen Kid Home. Je crois que le bon était mis, wesh. Eh, ça fait quoi si je fais ça? C'est quoi ce bordel? Mais on peut éventuellement faire ça, mais non, je suis pas d'accord, moi. C'est quoi ce bordel? Mets-moi ce pont en place, wesh. Mets-moi le pont en place! Non mais... N'importe quoi. Pas compris. Non, c'est pas grave. Il y avait un truc chelou. Accès au bunker.
fonction inconnue. Bref, on s'en bat les couilles. Il y a un fixeur qui me suit. Putain. Alien. Fais chier. Encore une de ces missions en ligne. Je rêve où il y avait une voiture qui roulait sur l'île. Ah, le mec il est pas repéré. Le fixeur il est dedans obligatoirement. Ah, je vais t'apprendre à être fixeur, mon fils de pute. Moi je vais t'apprendre à m'empêcher de faire mes missions en solo et mon let's play. Une espèce de sale bâtard. Eh ben tu vois quand tu suis ton plan. Sale fils de pute. Non mais il se prend pour qui lui? Abruti. Ouais. Vas-y ta gueule. Eh. Moi je vais t'apprendre à m'empêcher de faire mon let's play, ouais. Connard. C'est bon pour qui lui? Petit con. Bref. Passons ce petit inconvénient et faisons notre... Continuons notre... oui. Effectivement. Attendez. Voilà. Allez, c'est parti. Où tu vas, t'as fini? T'as trouvé ce qu'il te fallait? Pour l'instant, oui. Ok, écoute, je comprends parfaitement que t'es la trouille. J'ai pas la trouille. Personne m'a demandé de rester. Personne t'a demandé de partir. Il va falloir faire mieux que ça. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. On fait équipe? Ok, on fait équipe. T'es pas habitué à faire équipe? Non, pas trop. C'est dur que ça. Non. Alors au travail. D'accord. Ok. On va voir ce qu'on peut trouver. Ah ouais, j'ai même pas réalisé, mais salut à Nicolas au fait. L'Overflow, celui qui a envoyé un message. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Et puis voilà. Donc il nous reste environ 25 minutes avant la fin de cette vidéo. Où est-ce
qu'il est. Mais putain, t'as pas entendu ce que je t'ai dit. Parle. Tu vas là-bas, tu poses ton cul. T'es sûr que l'adresse IP est là? Oui, un des étages supérieurs. Comment on procède? Eh ben, on se sert des caméras. C'est n'importe quoi, je te jure, casse tes couilles. Ah, détends-toi, franchement. Tu sais quoi? Qu'elle aille se faire foutre. Oh, et puis toi aussi, tiens. Ah, va chier. Va te faire foutre. C'est pour ça que tu sers jamais de meuf. Regarde ça. Tout l'immeuble. Pour un gang de quartier, c'est pas normal. Si, pour libérer celui-ci. Ensuite, elle est là. Voilà. Ils sont armés jusqu'aux dents. C'est une vraie forteresse. Même leurs dents, ils sont armés. Un bloc de merde. Ah, les petits cons. C'est peut-être un truc que j'aurais pas dû faire, ça. Ah, c'est un truc que j'aurais dû faire. Okay. Non, c'est la première fois. Genre, la caméra elle prend l'ascenseur. Bon bah, je prends l'ascenseur moi. Genre, les mecs, l'ascenseur il arrive, donc ils entendent le ding ding ding, et puis ça leur fait rien, ils ont pas de clic. Ah, ok. Piraté. Caméra. Ouais, tu sais très bien de quoi je parle. Vous êtes les deux seuls bouffons là-dessous. Alors arrêtez de faire n'importe quoi. Ok. Ah, oh, putain. Bah ouais, je joue avec l'ascenseur là. Les mecs, ils se font engueuler pas de notre faute. Les kiffs. Comment ça? Ouais, il casse les couilles des steaks. Pff. Écoutez, c'est vraiment qu'on doit aller, mais je vois pas où. Et il manque juste la musique d'être dans l'ascenseur paradisiaque à Hawaii. Dommage que je fais pas de montage, sinon j'aurais pu vous la mettre. Trop. Hop là. Oui, mais fais demi-tour. Demi-tour. Allez. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Oh la vie, mamie! Allez, vas-y, dégage! Mais t'es en train de pisser! Il va intégrer l'armée. C'est possible qu'il va intégrer l'armée. Cachet judiciaire J12, je sais pas quoi. J'ai raté. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Yo, bien quoi? Putain, non, attends. Comment t'es mauvais, toi? Hey, je te maîtrise, enculé. Bâte un peu la maîtrise. Ouais, bâtard. Arrête de toucher. Putain, ils sont en train de jouer à Call of. Vois ce truc là? Mets le skimmer là. Ça récupère les infos des cartes. Ça nous les envoie par wifi. C'est bon, j'ai capté. Heureusement que ces queutrues sont faciles à modifier. T'inquiète pas pour ça, ma gueule. Tu peux déjà régler. Tu t'attends de prendre en avant. Allez, allez, bébé. Allez. Allez. Oui. C'est quoi qu'on entend? Ah, je voulais savoir c'est quoi qu'on entendait. Je pense que c'est ce que je pense, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est ce que je pense. Je vais quand même me... Bon, tant pis.
Oh, moi, je voulais les voir à l'action. Pire qu'un film porno jeu. Je comprends maintenant pourquoi c'est interdit moins de 18 ans. Alors. Il y a des gens qui vivent ici ? Il y en a même qui meurent ici. Mon Dieu ! Elle est mignonne, la demoiselle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À l'aise ! Il est en train de profiter des deux, lui. De son bédo et de la gonzesse qui est en train de faire quoi ? Elle tri du fric ou... C'est moi. T'as pas assez ? Tu me surveilles encore alors quoi ? Hein ? On aime bien te surveiller. Pourquoi il y a des caméras dans tout ? Ouais, il y a des caméras dans tous les sens. La caméra embarquée. Le nouvel outil de DeadSec. Non, pas je peux servir. Heureusement que le mec il y va, il est sympa, il nous emmène, il nous fait visiter. Oh, quel magnifique tag. Je te taguais. Ah, la sale gueule. Non, pas la caméra. Voilà. L'adresse IP provient de cette pièce. Il y a un lecteur de cartes sur la porte. On réentend le 1-1-1-1. La clé est dans sa plaque d'identité. Écoute, personne t'a rien volé, mec, alors appelle ton boss. Ça va prendre un peu de temps. Et bon, on va le prendre. Bedbug, ramène ton gros poule. Putain. Ramène ton gros poule. Je croyais que tu... On t'a chié dans le cerveau, quoi. Tu te souviens du yinge de mémé? L'autre bâtard de bulldog. Du quoi? Voilà. Quand on le sifflait, il déboulait direct. Mais à chaque fois, cet enculé, il pissait partout. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, en fait, je comprends rien. Écoute, t'es mauvais pour mon business. Et à ton avis, gros, entre toi et mon business, je vais choisir quoi? Monsieur Queen est en ligne. Ah, Papy Queen! Y'a Papy Queen au téléphone. Oui. Marchandises et de la sécurité. Et vous volez la liste de mes invités. Personne ne me vole, monsieur Irak. Attendez, ça s'est pas passé comme ça. Je crois que vous avez pas tout saisi. Vous et moi, c'est une collaboration. Vos invités, c'est mes invités. On en reparlera à la vente aux enchères, d'accord ? Ne jouez pas aux nuisibles, monsieur Irak. Chez nous, les nuisibles, on les extermine. Putain de bâtard d'Irlandais fini à la bière! C'est quoi un nuisible? C'est une sorte de rat. Un rat! Il brûle le savate, il a rien fait le pauvre. Il a juste donné le... What? Bon, faut grave. Autre chose? Non, ça va aller, merci. Au revoir. Les... Trop vite. C'est quoi ce bordel? Fuck off. Ils ont un souci ou bien c'est moi?
Bon. Tirez dans... Pour les neutraliser, votre... votre récupération en souffrira. Bref. Comment tu pourrais entrer là-dedans? Et je parle même pas de cette pièce. Même les serrures qui se trouvent sur les portes sont codées. Le gros, là, Bedbug, il va y aller à ma place. Ah oui, tu crois? Et pourquoi il nous aiderait? À mon avis, il est à deux doigts de se prendre une balle dans la tête. Donc la prochaine fois qu'il fait une connerie, je serai là pour enregistrer. Rien de tel qu'un peu de chantage pour convaincre quelqu'un. D'accord, le fichier audio Irak. Le yinche quoi? Le yinche de mémé. On va faire un petit point de compétence. Et puis on va se laisser là hein, les gens, parce que mine de rien ça avance assez vite. Alors dans la conduite, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Conduite expert. Diminuer le risque d'éclatement des pneus. Pourquoi les pneus peuvent éclater? Oh bon. Améliore la conduite hors route sur herbe et piste. Ouais, si tu veux. Ah non, mais non, attends. La culotte. Piratage. Combat. Non, je vais prendre piratage. C'est quoi ça? Pirate les équipements de communication ennemis en produisant un effet Larsan incarné. Désactive les hélicoptères pendant 30 secondes. 15 secondes. 30 secondes, 15 secondes. Ça vaut les couilles. On va prendre le... Améliore la cadence de tir avec le pistolet semi-automatique. Augmente la quantité de bombes sur les couilles. Réduit considérablement les dégâts infligés. Ouais, ça peut être intéressant. Prolonge les effets du focus. Le focus. Ouais, si on veut. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas grave. Réduit les risques de détection quand vous courez. Bah... Franchement, je vais prendre ça. Non. Ça. Voilà. Eh bien les gens, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode numéro 6. Bien sûr, Watchdog, si jamais vous avez aimé donc cet épisode numéro 6, je vous propose de mettre un petit pouce vert. C'est quoi ça? Et nous allons découvrir tout de suite c'est quoi ça. Ok, c'est une vidéo. Donc ils se font de la pub sur ma vidéo avec leur vidéo. Mais c'est de ouf. C'est pareil. Bon, en fait, c'est la même vidéo tout le temps. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Si jamais vous avez un commentaire à me faire parvenir, bah pareil, la barre des commentaires. Si jamais vous n'aimez pas cette vidéo, dites-le moi aussi dans les commentaires. Ne mettez pas ce pouce rouge parce que cela ne sert strictement à rien, même si vous le ferez quand même, pour ceux qui n'aiment pas, je pense. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.